te bénissons, te sommes infiniment reconnaissants pour ce merveilleux moment. Nous nous laissons entre ta main, parle-nous, guide-nous. Ouvre les yeux de nos cœurs, afin que nous puissions écouter comme écoutent les disciples. Seigneur, sanctifie nos oreilles, sanctifie nos cœurs. Merci pour ce que tu vas faire. Tu as dit dans ta parole, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Nous voulons que le Saint-Esprit nous enseigne une fois de plus aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous disons Amen. 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 Dieu est bon. Amen. Amen. Dieu est bon. Ce matin, j'aimerais partager avec vous sur un thème. Quand vous me voyez s'asseoir, cela veut dire que j'ai envie d'enseigner. Avec la motivation. La motivation. Quelle est ta motivation? Qu'est-ce qui te pousse à suivre Jésus? Qu'est-ce qui te pousse à servir Dieu? Qu'est-ce qui te pousse à venir prier? La motivation. Qu'est-ce qui te pousse à faire des jeûnes, des jeûnes, des jeûnes de prières? Qu'est-ce qui te pousse à faire des prières sans arrêt? Qu'est-ce qui te pousse à méditer à fond la parole de Dieu? Qu'est-ce qui te pousse de vous éloigner de tout le monde, de vous retirer de tout le monde et de vous concentrer qu'aux choses de Dieu? Qu'est-ce qui vous pousse à être là présent dans toutes les réunions? En fait, qu'est-ce qui vous anime? Quelle est votre motivation? La motivation est comme de l'essence pour une voiture. Une voiture sans essence, cette voiture ne peut pas aller loin, ne peut pas avancer. La motivation. Lorsque vous êtes dans un terrain d'athlétisme, dans un combat de boxe, de catch, dans un match de football, ce qui fait vraiment la différence, c'est aussi la motivation que le joueur, l'acteur a dans le terrain. Il y a une autre personne qui dit, je veux cette médaille parce que j'avais promis à ma femme, j'aurai cette médaille pour lui, pour elle. Et quoi qu'il arrive, moi je vais avoir la médaille. Sa motivation, c'est donner la médaille à sa femme. Lorsqu'il y a des concours, il y a des gens qui disent, si j'attrape cet argent, c'est fini avec mes devoirs financiers que j'ai. Il me faut cet argent. La motivation qu'il a, c'est avoir cet argent. Il y a ceux qui disent, non, moi, j'en ai tellement souffert, je fais ça pour ma carrière. Votre motivation vous donnera une ligne de conduite, vous dictera dans les actions, dans l'ambiance, dans votre marche, la motivation. Et laissez-moi vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, tel que nous sommes là ce matin, nous n'avons pas la même motivation. C'est faux. Chaque personne a sa motivation. La motivation. Jean au chapitre 6. Je vais vous parler de plusieurs sortes de motivations
que nous pouvons avoir dans l'église du Seigneur. Mais ce matin, par la grâce du Seigneur, je pourrais parler des quatre motivations qui caractérisent les enfants de Dieu, surtout des milliers de chrétiens où nous sommes. La première motivation, ou le premier groupe, c'est ceux qui suivent Jésus pour le pain. Ceux qui suivent Jésus pour le... Leur motivation, c'est quoi? Le pain. Dans Jean au chapitre 6, à partir du verset 22, la Bible dit: la foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il était parti seul. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade, près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule, ayant vu que ni Jésus ni ses disciples n'étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et allèrent à Capernaum à la recherche de Jésus. À la recherche de Jésus. Et l'ayant trouvé au-delà de la mer, il lui dit: Rabbi, quand es-tu venu ici? Jésus leur répondit: en vérité, je vous l'ai dit, vous me cherchez, non parce que vous avez vu le miracle, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Il lui dit: que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit: l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Voilà. Le premier groupe, c'est ceux qui sont motivés par le pain. Ils cherchent Jésus. Ils engagent des dépenses, mes amis. Ils engagent des efforts. La Bible nous parle de ces gens. Ces gens ont pris des barques. Imaginez-vous, ils ont pris des barques. Ils ont ramé. Ils ont pagaillé. Jusqu'à arriver de l'autre côté. Et de l'autre côté, ils ont vu Jésus. Et ils disent: Jésus, nous te cherchons. De première vue, quand vous regardez ça, ça paraît spirituel. Ces gens ont quitté leur maison, ils ont quitté leur femme, ils ont quitté leur affaire. Ils sont allés à la recherche de Jésus. Mais la motivation de la recherche, c'est quoi? Cette motivation, c'est Jésus qui connaît nos cœurs, qui voit. Dieu ne regarde pas à nos apparences. Dieu regarde quoi? Le cœur. Le cœur. Et lorsque Jésus a regardé le cœur, il les a dit clairement: vous me cherchez, non parce que vous avez besoin du royaume. Vous me cherchez, non parce que vous avez besoin de miracles. Vous me cherchez parce que vous avez mangé du... En gros, vous voulez que je devienne votre usine de pain. Que chaque jour, je vous donne quoi? Le pain. Vous n'êtes pas intéressé par la parole. Vous n'êtes pas intéressé par le royaume. Vous n'êtes pas intéressé par la sanctification, la justice. Vous n'êtes pas intéressé par ce qui est de Dieu. Ce qui vous intéresse, c'est votre pain. Et aussitôt que vous avez votre pain, vous vous barrez. Et vous êtes prêt de circuler partout dans le monde pour aller chercher quoi? Le pain. Quelle est votre motivation aujourd'hui? Le pain? Ça chauffe à la maison, la famille ça ne va pas, vous avez besoin de pain. Jésus, donne-moi le pain, le pain. Je vais commencer à manger bien les entrecôtes, les caviar. Je vais manger bien les sakamoudes, les quoi encore? Le fumboa, un peu de bananes plantées, les makemba, les liboke.
Oh Seigneur, moi aussi je ne suis pas venu accompagner quelqu'un. Je vais aussi vivre. Cela veut dire manger aussi bien. Vous cherchez Jésus pour le manger, le pain. Dans nos églises, il y a plein de gens qui cherchent Jésus pour le pain. Pour que Jésus change sa situation sociale. Ce sont des gens qui cherchent Jésus pour le pain. Ça, c'est le premier coup. Oh, je souffre. Que Dieu fasse quelque chose pour moi. Oh, bien-aimé, c'est bien-aimé quand je traverse des situations très compliquées, très bizarres. À la recherche du pain. Dis avec moi, à la recherche du pain. Voilà. Pour des gens comme ça, ils sont déjà disqualifiés. Ils sont déjà comment? Disqualifiés. Alléluia. Ils cherchaient pour le pain. C'est lui qui cherche pour le pain. Il peut aussi fournir des efforts. Il peut aussi gêner. Il peut être aussi présent dans des prières. Il peut être aussi dans l'évangélisation. Il peut être dans beaucoup de choses. Mais sa motivation, c'est quoi? C'est le pain. Nous avons vu ces gens qui se sont engagés à traverser même la mer. Ils sont allés même dire à Jésus, nous te cherchons. Mais la motivation, c'était quoi? Le pain. Tournons nos pages dans Jean au chapitre 12. Ah. La motivation, mes amis. La motivation. Jean chapitre 12, le verset à partir du verset 1. La Bible dit, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare qui avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marc servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un des disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait les livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela. Non qu'il se mettait en peine de peau, mais parce qu'il était voleur. Et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, laissez-la garder ses parfums pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? La motivation. La motivation, mes amis. Ha! Jésus se retrouve à Béthanie. Oh, à Béthanie, vous savez ce qui s'est passé. Lazare sort. Son ami Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Il était là à table avec eux. On lui fit un souper. Oh, alléluia. On fit à Jésus un souper. Ha! Et là, Marie, qui a compris qu'elle avait à la maison le maître des maîtres, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le créateur du ciel et de la terre. Marie va prendre un parfum d'albâtre, des grands prix, la Bible nous dit. Il va casser ses parfums et il va oindre Jésus et il commence à essuyer Jésus avec quoi? Avec ses cheveux. Quelle adoration, mes amis! Quelle adoration! C'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous pousser à être original dans votre façon d'adorer Dieu. Amen. Oh, Amen. Alléluia! Amen. N'adorez pas Dieu comme tout le monde y fait. Il y a mille et une façons d'adorer le Seigneur. Rien que ta vie qui vit dans la sanctification est une adoration déjà à Dieu. Amen. Vous pouvez adorer Dieu par votre habillement. Vous pouvez adorer Dieu
par vos paroles. Vous pouvez adorer Dieu par des actes qui glorifient Dieu. Marie, ce jour-là, elle était originale dans sa façon d'adorer Dieu. C'était briser un parfum, oindre, essuyer avec ses cheveux. Quelle beauté! Dis avec moi, original. Nous sommes devenus très routiniers. L'adoration pour nous, c'est une mélodie, synthé, guitare, et puis on chante Jésus tu es. Voilà, nous sommes tombés dans la routine. Comme si adorer Dieu, c'était seulement comme ça. Oh, il y a plusieurs façons d'adorer Dieu. Et là, c'était une bonne adoration qui touchait le cœur de Dieu. Jésus était dans la joie. Mais pendant que l'adoration se faisait, il y a des gens qui faisaient des calculs de leur poche. Des calculs de quoi? Leur poche, mes amis. Il était là, disciple de Jésus, apôtre. Mais avec ces calculs, lorsque les gens adoraient Dieu, ceux qui ont pour motivation le pain, ils sont en peine. Je dis bien, ceux qui ont pour motivation le pain, ils sont en peine lorsqu'ils voient leur pain partir. Or, Judas, il ruminait ça dans son cœur, dans son cœur. Et puis finalement, il va balancer. Il dit, mais c'est pas sérieux. Hein? Nous sommes des réformistes. Nous sommes ceux qui sont venus s'occuper des pauvres. Nous sommes venus, voilà, nous voulons pas être comme des pharisiens. Mais Jésus, je ne comprends pas comment tu peux accepter le gaspillage d'un parfum de si grand prix comme ça. On devait prendre ces parfums, vendre ça à 300 deniers et distribuer cet argent aux pauvres. La Bible dit, ce n'est pas qu'il était en peine aux malheureux, mais il disait cela parce qu'il était comment? Volé. Dis avec moi, volé. Voilà, il a habillé son vol spirituellement. Son vol a trouvé quoi? Son vol a trouvé du sens. Mais en réalité, la motivation est restée comment? Voler. Parce qu'il savait, quand il va aller vendre ses parfums à 300, il aura 10% de commission. Oh, moi je vais vous vendre ces parfums à 300. Mais est-ce que vous êtes prêts à me donner 10% de la commission? Certainement les gens vont accepter. On va lui donner 10% de commission. Il va mettre 10% dans sa poche. Et puis quand il va distribuer des pauvres, il va s'arranger avec des pauvres que lui il commet. Toi tu auras 5 deniers, tu viendras me laisser 4. Toi tu auras 3 deniers, tu viendras me laisser. Il disait cela parce qu'il était comment? Voleur. Voilà comment nous avons des voleurs au milieu de nous. Des voleurs qui volent Dieu. Et puis ils habillent ça de façon comment? Spirituellement, si tu n'as pas le discernement des esprits, si tu n'as pas la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu pour comprendre, tu ne sauras jamais comprendre que la motivation qui est derrière, c'est quoi? L'argent, le vol. Oh non! Pourquoi on doit gaspiller? On devait dire vendre, donner aux pauvres. Oh, ça paraît bien! Mais derrière, il y a quoi? Le vol. Dis avec moi, le vol. Quelle est votre motivation? Dans tout ce que vous êtes en train de faire, quelle est votre motivation? À un moment donné, il faut s'arrêter, mes amis. Pose-toi la question, mais pourquoi je suis Jésus? Pose-toi la question, mais pourquoi j'avance? Pose-toi la question, mais qu'est-ce qui arrive avec moi? Pose-toi la question. Il faut vous poser la question, mes amis. Sinon, vous pouvez persister dans votre bêtise, dans une motivation qui ne vous conduira pas au ciel, mais où? En enfer. Alléluia. Amen. Deuxième motivation. Première motivation, nous avons dit, c'est qui? Ceux qui cherchent leur pain. Deuxième motivation. Ceux qui veulent faire des business avec Jésus. Mes amis,
L'église aujourd'hui est remplie de gens qui veulent faire quoi? Le business avec lui. Dans Philippiens au chapitre 3. Paul écrit quelque chose d'intéressant. Il dit, Philippiens au chapitre 3, le verset 18, on va lire ça tous ensemble, ceux qui ont trouvé. Philippiens 3, à partir du verset 18 jusqu'au verset 19, lisons ça tous ensemble, 1, 2, 3. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait la honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Le businessman dans l'église, la plupart des frères aujourd'hui dans les églises sont devenus des businessmen. Et la plupart des sœurs sont devenues des businesswomen. Ils font les affaires au nom de Dieu. Ils ne cherchent pas Jésus pour le ciel. Ils cherchent Jésus pour quoi? Pour leurs intérêts, mes amis. Ça, je vous dis vrai. Regardez, la plupart des frères, la plupart des sœurs ont changé des dons de Dieu. Elle a un don de prophétie. Mais regarde cette sœur, elle va commencer à prophétiser dans des maisons des gens. Parce que quand elle va prophétiser, elle attend à ce qu'on lui donne quoi? L'argent. Elle est devenue businesswoman. Sa motivation, c'est aller de maison en maison, organiser des veillées de prières, prier avec des familles. Oh non, moi mon ministère, c'est prier avec des familles. Oui, vous avez un ministère de prier avec les familles. Parce qu'en bas, il y a des enveloppes qu'on reçoit. La motivation, ce n'est pas Dieu. La motivation, c'est qui? L'enveloppe. Le business. Oh, mes amis, c'est plein dans l'église. C'est plein aujourd'hui. Voilà pourquoi vous voyez dans l'église du Seigneur, tout est devenu comment? L'argent. On vend de l'huile d'onction. On vend des pochettes qui chassent des démons. Dernièrement, on m'a appelé, on m'a dit, on vend en France des cornes, des béliers, je ne sais pas moi. Quand vous sonnez ça, ça chasse des démons dans votre maison. Des businessmen sont entrés dans l'église. Leur motivation, c'est les affaires, c'est leur chiffre d'affaires. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai gagné combien? Le kit d'aujourd'hui a fait entrer... Combien dans ces contacts que j'ai eu avec ces gens, j'ai eu combien? Tout est question de quoi? De l'argent. Frère, lorsque vous suivez Jésus pour faire des affaires, vous êtes en route pour l'enfer. Nous ne suivons pas Jésus pour faire du demain ou les affaires avec lui. Nous suivons Jésus parce que nous l'aimons. Nous prêchons la parole de Dieu parce que nous aimons Jésus. Nous ne nous attendons à rien à retour, je dis à rien. Voilà pourquoi la Bible dit, nous avons reçu gratuitement, nous devons donner aussi gratuitement. Quelle est votre motivation? Vous prêchez, vous criez, vous voulez assez que les gens disent amen pour qu'on vous amène ou quoi? C'est l'argent. Motivation impure. Motivation impure. Ceux qui ont reçu des ministères et qui font du commerce avec ces ministères, ils seront sévèrement jugés devant Dieu. Ceux qui ont reçu des dons, des talents, oh musicien, pour venir jouer, il faut qu'on te donne quoi? Dis avec moi business. Tu es un businessman. Il y a ceux qui réclament déjà l'air caché bien avant. Pour que moi je vienne jouer, il faut que vous me donniez 300$. S'il n'y a pas 300$, ce n'est pas mon affaire. Vous devez assurer mon transport. Les transports de notre groupe. Vous devez faire ceci, cela. Motivation impure.
que Jésus me garde, que Jésus vous garde à faire de la parole de Dieu, des dons, des talents, des ministères qu'il vous a donné, à les faire un business. Que Jésus nous garde. Que Jésus nous garde à voir de l'argent partout au lieu de le voir lui. Que Jésus nous garde. Pourquoi nous baptisons nos relations que pour l'argent? Regardez même dans l'église. Celui-ci veut avoir la relation avec telle personne. C'est pas parce que telle personne y prie, non. C'est pas parce que telle personne médite bien la parole de Dieu, non. C'est pas parce que telle personne peut lui aider dans sa vie chrétienne, non. Mais c'est parce que lorsqu'il aura besoin d'argent, celui-là va lui faire quoi? Va lui donner. Ça, c'est le business. La motivation est impure. Faites attention dans vos amitiés que vous liez. Un ami aime en tout temps. Dans le malheur, il se montre qui? Un frère. Un ami. Aime à tout temps. Que tu sois dans des conditions difficiles. Que tu sois dans des conditions de malheur. Que tu sois dans des conditions critiques. Un ami aime à tout temps. Et le jour où tu es dans des problèmes extrêmes, il se montre qui? Un frère. Mais des amis de circonstances, ils aiment quand tu donnes bien. Ils aiment quand ils tirent bien. Oh mes amis, les amis qui tirent bien profit chez toi, ils vont beaucoup t'aimer. Mais les jours où leur profit ne sera plus là, ils vont quoi? Oui. Ils vont te laisser seul. Actes des Apôtres, chapitre 8. Business. Quelle est ta motivation? Pourquoi tu veux le ministère? Pourquoi tu veux ces dons? Pourquoi tu veux tout ça? Quelle est la motivation? Acte chapitre 8. Regardez les motivations des affaireux. La Bible dit, à partir du verset 5, Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Le foule tout entière était attentif à ce qu'il disait Philippe, à ce qu'il disait Philippe. Lorsqu'elle a pris et vit le miracle qu'il faisait, car des esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussant des cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui s'est donné pour un personnage important, exercer la magie et provoquer l'étonnement du peuple de la Samarie. Tout depuis le plus petit jusqu'au plus grand l'écoutait attentivement et disait, celui-ci là a la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils écoutèrent attentivement parce qu'ils les avaient longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils y crurent à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, lors hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe, et il voyait avec étonnement des miracles et des grands prodiges qu'il opérait. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci arrivèrent chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent le main et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai le main reçoive le Saint-Esprit. Mais Pierre lui dit, que ton argent périsse avec toi, puisque tu as crié que le don de Dieu t'acquérait au prix d'argent. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris? Vous comprenez ce qui se passe? Qui aime Jésus là? Les choses, ça se donnait gratuitement, automatiquement. C'est le Saint-Esprit qui opérait.
Mais parce que Simon, la base de Simon, c'était quoi? L'argent. La base de Simon, c'était l'argent. Quand tu l'as vu, Pierre et Jean imposaient le main et que les gens étaient guéris, recevaient le Saint-Esprit, il a vu de... au vrai Shida. Au vrai Shida. Ça, c'est vraiment un véritable Shida. Comme je suis maintenant connu d'eux, comme je suis déjà avec eux, voilà, tout le monde me voit avec Philippe, hein. Je vais leur donner de l'argent et aussi ils me donnent quoi? Le pouvoir. Ils savaient, mes amis, ce qu'ils voulaient. Ils voulaient en faire un business, imposer les gens le main. Voilà, mon ami Philippe, mon ami Simon, allait même imposer les impudiques. Pourvu qu'on lui donne quoi? L'argent. Moi, Père Simon, j'ai besoin du Saint-Esprit, impudique. Oh, Simon va dire, pour toi, impudique, il faut 500 deniers. Hein? Il faut comment? Il faut 500 deniers. Parce que tu vois, toi, tu es trop sale. Hein? Toi, tu es trop sale. Il faut 500 deniers. On lui paye 500 deniers. Hallelujah. Le Saint-Esprit sur toi. Alors, on reçoit le Saint-Esprit. Lui, il met l'argent. Il voulait faire le business avec quoi? Avec le Saint-Esprit. Il avait sorti son argent. Il dit, mes amis, venez ici. Je vous ai vu avec un pouvoir là. Depuis que j'ai commencé à vous observer, les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques sont élevés, les démons sont chassés, les gens reçoivent le Saint-Esprit. Alors, Kanya Kanabino, votre argent, c'est ça. Donnez-moi maintenant le pouvoir. Qu'est-ce que les amis l'ont dit? Que tu périsses avec, hein? Tu as écrit que le don de Dieu s'obtient au prix d'un. Cela veut dire quoi? Dans les choses de Dieu, il n'y a pas la place de l'argent. Amen. Tout est gratuit, ça s'obtient par la foi en Jésus. Amen. Donc tous ceux qui vendent de l'huile là, tous ceux qui vendent des pochettes, tous ceux qui vous disent que non, pour qu'on vous chasse un démon, il faut qu'on vous donne, vous payez l'argent. Non, cette délivrance là est compliquée. Bien aimé, ceux qui vendent, ce sont des business. Des businessmen. D'autres abîment ça spirituellement. Ils vous disent ceci. Oh non, tu vois, on te demande rien. On te demande rien. Mais des frères vont venir. Des frères vont venir. Ils vont laisser leur travail. Ils vont tout laisser. Si tu peux voilà, s'occuper des biens. Hein? En réalité, c'est quoi? L'enveloppe. En réalité, c'est de l'enveloppe. Frère, l'enveloppe a plusieurs façons de le demander. Il y a les autres, il a prié pour quelqu'un, il ne veut plus partir. Il est là. Ça devient, il part, et après, maman, elle est là pour l'inviter, vous n'avez pas préparé, on lui sert à manger. Il a un problème, maman, faut ça sucré, j'ai envie de sucré, sucrerie, on lui donne du sucre. Il repart, ah maman, moi j'ai des problèmes avec mes chaussures, je n'ai plus de chaussures, on lui donne. Il est en train de réclamer quoi? Son salaire, c'est un businessman. Oh, est-ce qu'il y a ceux qui ont des ministères au milieu de nous? Levez la main, des ministères. Ah, faites attention, ceux qui ont des dons, faites attention. Deuxième motivation, c'est le business, les affaires, business, les affaires, business, les affaires. Faites attention que les choses de Dieu deviennent quoi? Des business. Troisième motivation. La troisième motivation, c'est ceux qui cherchent Jésus pour des problèmes. Ce n'est pas pour le royaume qu'ils cherchent Jésus. Ce n'est pas pour aller au ciel. Ils cherchent Jésus parce qu'ils n'ont pas de travail. Ils cherchent Jésus parce qu'ils n'ont pas de mariage. Ils cherchent Jésus parce qu'ils n'ont pas de visa. Ils cherchent Jésus parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Ils cherchent Jésus parce qu'ils sont malades. Mais leur but ne t'aimait pas le royaume. Ce n'est pas le royaume. Est-ce que quelqu'un comprend? Yes. Troisième groupe, c'est ceux qui cherchent Jésus avec la motivation que Jésus résout leur problème. Ça peut être un problème du travail, du chômage. Ça peut être un problème de maladie. Ça peut être un problème de voyage qui n'a pas de visa, ils cherchent depuis longtemps. Ça peut être un problème de mariage. Ça peut être un problème de ceci, cela. Les jours où on trouve ça, on fait quoi?
On part. Voilà pourquoi vous voyez des sœurs, oh, toutes chaudes, toutes flammes, ça chandalise. Oh, alléluia, ça lève le mât. Mais le jour où la terre attrape le mariage, abouo, abouo. Est-ce que vous avez vu telle sœur? On ne le voit plus. Oh non, mon mari, même pas que je pars à la prière. Toi, tu avais dit, moi et Jésus, nous sommes des inséparables. Tu es devenu maintenant séparable. Parce que tu as déjà obtenu ce que tu... Il y a des gens qui disaient, ah, Seigneur, moi si tu m'envoies mes robes, les robes seront transformées par ta parole. Parce que je prêcherai Jésus partout, dans des arrêts, des bus, dans des métros, dans des trains. Depuis qu'il est parti en Europe, il n'a jamais ouvert sa petite bouche, ni dans les trains, ni dans les métros, ni partout. Il te dit tout simplement, mais les robes c'est dire. Les robes c'est... Tu cherchais Jésus pour aller en Europe. Tu ne cherchais pas Jésus pour le... Pasteur, Naïtolo, ma soeur, moi vraiment, les jumeaux. Pasteur a prié, on a prié, les jumeaux sont venus au... Wow. Depuis là, ces enfants sont turbulents. Ça ne me permet même pas, ils ne me permettent même pas de venir à la... prière. Yeah. Avec moi, tout le monde. Et ça, c'est une vraie spécialité des sœurs. Des sœurs, la majorité viennent pour chercher quoi? Le mariage. Ah oui, hein, je vous dis vrai. On se connaît, mes amis. Le jour où il trouve son mari, fait quoi? Il part, elle part. Des frères aussi viennent chercher le travail, position. Ah, Dieu, je n'ai pas mes positions. Le jour où il a la position, il fait quoi? Oh, Seigneur, la maladie, si le docteur n'a pas trouvé de solution. Vous venez, on prie. Le jour où vous sentez que la maladie n'est plus là, vous faites quoi? Tu suivais Jésus pour résoudre un problème dans ta vie. Mais la motivation, ce n'était pas quoi? Les siennes. Quelle est ta motivation? Avant qu'on lise ce verset de Luc, il y a un frère, il priait, Seigneur, donne-moi une voiture. Et puis une sœur a reçu une prophétie, elle est allée voir le frère pour lui dire, Dieu a dit, il ne te donnera pas la voiture, parce que s'il te donne la voiture, tu fuis l'église, tu vas fuir la vie de l'esprit, tu fuis tout, tu vas retourner dans le monde. Il dit, non, moi je ne peux pas retourner dans le monde, moi je sers Dieu, j'aime Jésus. Il a insisté sur sa voiture et le Seigneur lui a donné une voiture. Oh, au débit, le frère était devenu le plus ponctuel, il venait avant tout le monde. La prière commence à même vers 8h30, lui il est dans sa voiture déjà. Bon, moi, il essuie les tables, les chaises, voilà, il est un bon frère. Après, ça commençait à se relâcher, ça s'est relâché un peu. Après, quand vous lui posez la question, frère, pourquoi tu n'es pas venu? Oh non, j'avais une panne de démarreur. Eh frère, pourquoi tu n'es pas venu? J'avais une crévision. Et pourquoi tu n'es pas venu? Les pompes d'injection, mais quand toi tu étais piéton, tu venais à la prière, on m'a appuyé. Maintenant là, non, j'ai un problème. Et puis le frère a fait quoi? Il est parti. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il a commis l'accident avec deux filles dans sa voiture. Les deux filles sont mortes sous place. Revenant de Kinko, il est dans une belle ambiance. Dans la voiture où il avait dit, il va servir à Dieu. Voilà! La motivation, c'était autre, c'était pas le ciel. La motivation, c'était le matu-vu. La motivation, c'était la visibilité. Il voulait à ce qu'il soit visible. Il soit visibilité. Luc, chapitre 17. Luc, chapitre 17. Oh, la motivation. Je perds, mes amis. À partir du verset 11, Luc chapitre 17, à partir du verset 11, la Bible dit, Jésus se rendit à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dit, Jésus, maître, aie pitié de nous. Aie pitié non de nos âmes, aie pitié non de notre esprit, aie pitié de notre corps. Est-ce que quelqu'un comprend? Ah oui, ce que je dis, c'est vrai. Aie pitié de nous.
Dis-moi, si vraiment je devais avoir pitié de toi, il y aura pitié de ton corps ou bien de ton âme? Amen. Jésus a pitié de nous. Ah, il cria à haute voix. Dès qu'il les eurent vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils allaient, ils arrivaient, qu'ils furent comment? Guéris. Ah, allez vous montrer au sacrificateur. Pendant qu'ils allaient se montrer au sacrificateur, ils étaient comment? Guéris. Dis avec moi, guéris. Guéris. Ils étaient comment? Guéris. Guéris. j'aime bien le verset 15. L'un de ses voyants guéris revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. L'un de, sur combien? Ils étaient combien? 10. Combien sont revenus? 1. Les mêmes sont partis où? Jésus, bye bye. Jésus, c'est pas notre affaire. Tu nous as déjà guéri. Moi, je vais rentrer boire mon alcool comme j'étais. Mes amis là qui se moquaient de moi, les prêts, moi je vais les rattraper. Jésus, bye bye. Le business que je faisais, depuis que je suis devenu lépré, je ne pouvais pas côtoyer tout le monde, ils m'ont chassé. Là maintenant, ils vont me voir. Ce qui disait, hein, Bakanisa qui n'a souka, n'a silate, nouvelle formule. Ils ont cru que j'étais mort. Mais là maintenant, je suis ressuscité. Ils vont me sentir. Ils vont me sentir. Chacun est parti dans ses ambitions. Qui est revenu réellement vers Dieu? Un seul le vrai. Un seul? Le verset 16. Il tomba sur la face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prena la parole, dit, l'église, n'ont-ils pas été? Parce que l'onction que Jésus avait libérée, c'était l'onction de guérir 10 personnes. Mais seulement une seule personne est revenue. Mais malgré qu'une seule personne est venue, mais Jésus savait que 10 personnes ont été guéries. Il pose maintenant la question, mais les 10 n'ont-ils pas été? Et les 9 autres, où sont-ils? Les 9 autres, hein? Où sont-ils? Les disciples trouvaient que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu. Puis il leur dit, lève-toi, va, ta foi t'a fait quoi? De quel salut il s'agit ici? Ici, il s'agit de quel salut? Hein? Ici, il s'agit de quoi? De son âme. Parce que la guérison physique, il en avait déjà. Même ceux qui sont partis là, ils ont été comment? Guéris. Mais est-ce que leur âme était sauvée? Non. Mais celui-ci, il a réussi. Et la guérison physique, et la guérison de quoi? De son âme. Jésus lui dit, ta foi t'a fait quoi? T'a sauvé. Voilà celui qui est retourné rendre gloire à Dieu. Tout le reste là, c'était résoudre nos problèmes, hein, de santé. Résoudre nos problèmes de quoi? De santé. Voilà. Je disais, le troisième groupe de gens qui suivent Jésus, leur motivation c'est quoi? Résoudre nos problèmes. J'ai traversé tous les médecins. Le médecin m'a dit que pour mon cas, je ne peux pas donner naissance. Jésus, retraite de 2 jours, d'une semaine, retraite de 10 jours, 21 jours, poitrine en bas, tolonacé. Les jours où on a enfant, quoi? On taille. On a cherché Jésus pour l'enfant. Quelle est votre motivation? Je perds. C'est pour cela que ce matin, je vous ai dit, frère, qu'on s'arrête un peu. Que chacun regarde, hein, pourquoi il suit Jésus. Qu'est-ce qui lui motive? C'est important, mes amis. Qu'est-ce qui est en train de te motiver pour suivre Jésus? Tu veux avoir de l'argent?
Mais le jour où tu auras l'argent, tu vas fuir. Tu vas avoir une maison. Le jour où tu vas avoir une maison, tu vas fuir. Tu vas avoir le mariage. Ben, tu auras bien ton mariage et puis tu vas fuir. Parce qu'il y aura toujours un frère qui va jeter les regards sur toi. C'est une belle fille, belle soeur. Voilà, on va te marier. Mais après, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Mes amis, il n'y a plus rien. Tu vas, voilà, partir comme dit celle qu'on a jetée dans l'eau. Tchou, c'est fini. Quelle est la motivation? La plupart des motivations sont impures, des motivations qui ne sont pas bonnes, des motivations qui vont vous amener nulle part. Vous aurez bien ce que vous aurez, et après, plus du salut, plus le ciel. Il y a une chanson de couple Boloba. Il chantait, Soko kei na mobembo, tika biso na elikia, wana yesu akozonga okoza nini, toko netu la mando. Si tu partais en voyage, laisse-nous au moins dans l'espoir, dans la foi, que quand Jésus-Christ va revenir, nous partirons à... Ensemble. Combien de frères, ils étaient frères à Kinshasa, depuis qu'ils sont partis à Bruxelles, Londres, Canada, Paris, Allemagne, s'ils sont devenus tout simplement des païens. On ne sait même plus qu'à Kinshasa, ils ont prié. Ils ont chanté en langue. Ils ont prié en langue. C'est fini. Bye bye. Bye bye. Bye. C'est motivation. Motivation. Est-ce que quelqu'un comprend? Troisième motivation, nous avons dit quoi? On cherche Jésus pour résoudre des. Aussitôt ton problème est résolu, on fait quoi? On fuit. Je perds et je ne veux pas suivre Jésus pour résoudre mon problème. Je vais suivre Jésus parce que je l'aime. Amen. Que mon problème soit résolu ou non, j'aime Jésus. Alléluia. Je préfère encore mourir avec mes problèmes et entrer au ciel. Et avoir la solution de mes problèmes et ne pas entrer au ciel. Quatrième motivation. Ceux qui suivent Jésus pour des positionnements. Ah, mes amis, mes amis, mes amis. Dis avec moi, positionnement. Positionnement. Matthieu 20. Positionnement, mes amis. Il veut te positionner dans l'assemblée. Il veut te positionner dans la communauté. Il veut te positionner dans l'église. Il veut te positionner. C'est pour cela qu'ils se battent pour leur poste. Ils se battent qui deviendra le plus premier, le plus puissant. Ils se battent qui est le plus grand. Positionnement. Matthieu chapitre 20. À partir du verset 20, écoutez cette aventure. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approchant de Jésus avec ses fils et se prosternant pour lui faire une demande. Pour lui faire quoi? Une demande. Dis avec moi, une demande. Dis avec moi encore, une demande. C'était quoi la demande, mes amis? Il lui dit, que veux-tu? Il dit, ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. C'est pour ça que la Bible dit, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Vous priez mal, c'est pour cela que vous ne recevez pas. Vos demandes sont des demandes impures, qui ont une motivation démoniaque. Pouvez-vous boire la coupe que je boirai? Nous le pouvons, dit-il. Oh! Et il est répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux
qui mon Père l'a réservé. Les 10 ayant entendu cela, firent indignés contre le deux frères. Jésus leur appela et dit, vous savez que le chef des nations les tyrannise et que le grand les asservisse. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de position. Dis avec moi, positionnement. Voilà comment les gens sont devenus avec des motifs impurs. On vient dans l'église, on vient dans les assemblées, non pour chercher le royaume, non pour servir Dieu, mais pour être comment? Positionné. Et faites attention, nous sommes le frère de l'apôtre. Nous sommes le frère de qui? Nous sommes le frère du prophète, le frère du pasteur. Moi je suis le frère de. Oh, frère. Même si on m'a dit frère, les gens. Ici, il n'y a pas les frères. Tu vois le frère là qui filme là. C'est moi son petit frère. Là. Si vous faites. Nous, on ne vient plus. Là. Oh. Moi, je vais devenir le bras droit du. Pasteur. Quelle est ta motivation? Ici, nous ne sommes pas là pour devenir le bras droit du pasteur. Nous sommes là pour être des serviteurs. Dis avec moi, serviteurs. Que le pasteur te connaisse, que le pasteur ne te connaisse pas. Cherche à ce que Jésus-Christ te connaisse. Si tu veux être le plus grand de nous tous, alors sois qui? Serviteur. Non, esclave, le serviteur. Tu veux être le premier, alors commence à être le dernier. Tu veux que Jésus-Christ te considère, c'est toi qui vas nous faire asseoir. Et non, nous, on va te faire asseoir. Alléluia. Amen. Positionnement, mes amis, ça s'empoisonne dans les églises. Tout fait quoi? Pour le positionnement. Vous voyez, si moi je suis le premier, je vais recevoir des dons qui viennent de l'Europe. Je vais recevoir quoi? Des dons. Tu es là pour être positionné. Aux autres, dans nos positionnements. Tu n'as rien à voir avec, hein? Avec Dieu. Positionnement, mes amis, ça tue les églises, ça détruit. Positionnement. Positionnement, ça fait quoi? Dis avec moi, ça détruit. Combien des églises on va positionner, maman pasteur? Il y a plein de ministères, mais on va positionner qui? Si aujourd'hui moi je ne suis pas là, ma femme va prendre l'œuvre. Si en vertu de quoi ta femme va prendre l'œuvre? Positionnement. Si moi je ne suis pas là, mon fils va prendre l'œuvre. En vertu de quoi ton fils encore impudique va prendre l'œuvre? Positionnement. Dans l'assemblée, on a vu, ça c'est la place du couple. Hein? Pasteur, et ça c'est la place des familles du. Dis avec moi, positionnement. Je vais vous donner un bon conseil, mes amis. Ne cherchez pas à être ami des pasteurs. Cherche à être ami de Jésus. Le pasteur peut se tromper. Le pasteur ne te connaît pas. Celui qui te connaît bien, c'est Jésus. Cherche mingi mingi de Jésus. Mingi mingi de Jésus. Cherche plus Jésus. Cherche plus, hein? Jésus. Ne fais pas des choses pour que le pasteur te voie. Là, tu es en train de te positionner par rapport au pasteur. Fais des choses parce que Jésus-Christ, hein, te voit. Ne cherche pas à plaire au pasteur. Tu peux me plaire. Je suis un homme. Mais moi, je cherche à plaire à qui? À Jésus. Si toi tu cherches à me plaire, tu commets une grosse bêtise. Parce que moi que tu me plais, moi je plais à qui? Dans les derniers jours, tu vas dire, mais toi, le Seigneur te dira, mais toi ta place n'est pas ici. Mais Seigneur, moi je plaisais à mon pasteur. J'ai chanté. Quand il a dit là que qui va chanter?
mais moi j'ai chanté pour le pasteur. Eh bien oui, il chante pour le pasteur. Mais moi j'ai chanté pour Jésus. Nos églises sont remplies des hypocrites qui plaisent à leur pasteur, mais qui ne plaisent pas au Seigneur. Nos églises sont remplies de gens qui aiment beaucoup le pasteur plus que Jésus. Il est à la maison, tout ce qu'il ressemble. Qu'est-ce que je peux faire pour mon pasteur? Qu'est-ce que je peux faire pour mon pasteur?